Salut à tous et à toutes, aujourd'hui, nouveau Écoute Samouraï numéro 5. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de Stupeflip, plus précisément le son Terrora. C'est la zigzag terreur, peur, truc dévastateur, sueur, toi et tes complices seront broyés dans un mixeur. Pour commencer, Stupeflip, c'est un groupe de hip-hop, rap, variété française, un peu des fois électro, des fois même hard rock. C'est un peu spécial, bon. Alors, groupe qui a été créé depuis à peu près les années 2000. Il se compose de Julien Barthélémy, alias King Ju, et de Stéphane Bélanger, Cadillac, et MC Salo, qui est Jean-Paul Michel. un vrai prénom de merde, quand même. Jean-Paul Michel. Stupeflip, ils ont fait plein de sons qui vont de Je fume plus de shit. Depuis que je fume plus de shit, je me rappelle de mes rêves. J'ai pris conscience que le temps passe et que la vie est brève. Ah, tout simplement Cold World. Cibler, de toute façon écoutez, hein, je vais mettre plein de liens dans la description de plein de sons parce que je fais sur un son en particulier, mais je veux vous proposer plein d'autres sons si vous aimez bien, et puis de toute façon vu qu'il y a tellement de styles différents dans leurs chansons que c'est sûr qu'il y a au moins une chanson que vous allez kiffer parce que c'est des vrais artistes qui aiment la musique plus profondément. Alors sinon King Ju en lui-même, c'est un mec qui est assez marrant. Je vous conseille d'aller voir ses interviews et tout parce que il a une vision un peu particulière de la musique. Déjà, de base, il a toujours une cagoule sur la tête ou un espèce de truc chelou. On voit jamais sa tête et puis il vit un peu limite comme un charclos. Ça fait pas trop de dire ça, mais d'un côté c'est vrai. Ils sont vraiment particuliers comme déjà d'une, ils ont un raisonnement particulier. Ils ont des chansons, c'est des chansons un peu dark, on va dire, un peu genre. Sombre, mais il y a un peu de tout comme sujet. Il y a des sujets d'amour, comme des sujets de n'importe quoi. Par exemple, petite anecdote, il a fait une chanson qui s'appelle Je fume plus de shit. Donc il y aura des petites Valentin à faire les bails propres, des petits trucs là. et en fait, il a sorti 2 mois après la chanson Je refume du shit. Et en gros, il est totalement blasé. Enfin bon, c'est marrant. Depuis que je refume du shit, j'ai oublié mes rêves. Conscience que le temps passe et que la vie est brève. C'est vrai que souvent dans leur musique, ils aiment bien rajouter des espèces de petits bruitages, des moments de film ou même des trucs qui sont en annexe en fait à la musique, enfin à la chanson pure, on va dire. Et du coup, ça rajoute un peu un esprit, un esprit encore plus décalé. Bon, dans un de leurs albums, en gros, ils font pas une chanson égale. Égale une chanson, en gros ils pensent pas ça comme ça. En gros, ils font par exemple une chanson, ils peuvent mettre une interlude de 1 minute avec un morceau de chanson, un morceau de parole ou quoi, et en fait pour eux, leur CD, ils s'écoutent pas genre une chanson dans l'album, ils s'écoutent du début à la fin en écoutant toutes les interludes et tout. Ça rajoute une matière dans l'œuvre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, on va parler un peu de toute leur inspiration, de toute leur influence. King Ju, alias, on va dire que c'est un peu l'acteur principal du groupe, il a été beaucoup marqué par les raps des années 90, le rap français du moins, genre NTM, IAM et tout. Par exemple, il s'est dit qu'il s'est pas mal inspiré d'un de ses albums, de Stupeflip Vite, enfin de l'album de Stupeflip Vite, de Ombre et Lumière de IAM. C'est un de ses albums, il s'est pas mal inspiré de ça. En général, on va dire ceux qui écoutent du métal. En fait, c'est un groupe qui regroupe un peu ceux qui écoutent du rap et ceux qui peuvent écouter du métal. Après, ceux qui écoutent du rap français pur, je sais pas s'ils écoutent Stupeflip, mais en tout cas, les métalleux en général, c'est un groupe qu'ils aiment bien parce que c'est du rap français, mais un peu dans l'esprit métal. Parce que métal, c'est bien. Voilà, on va se quitter, c'est la fin de ce Écoute Samouraï. Prochain Écoute Samouraï, incessamment sous peu. N'oubliez pas de partager, de mettre un j'aime. Partager, c'est vraiment important parce que comme ça, vous partagez et vous faites connaître à vos amis ou quoi. Voilà, tout simplement, c'est la fin. Bisous!